Bonjour à tous. Alors évidemment ma musique qui déconne. Bonjour, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais pareil. Est-ce que... Alors attends, petit check. Alors attends. T'as encore touché à mes trucs, non? C'est vrai. Ah non, je sais, c'est parce que c'est moi qui ai changé de... Excusez-moi, alors vous entendez pas le petit Lexot, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, façon de parler, mais... Alors merde, où est-ce que je le change, ça? Mais dis donc. Ah, c'est là, ok. Non. Maintenant, oui. Ah, maintenant, attends. C'est parce que j'ai changé de casque et du Ah coup là c'est là là là. un autre truc Je disais que j'avais pas pu animer le stream pendant une formidable. semaine parce que j'étais en vacances, mais Tout à fait. nous sommes revenus. Ce qui compte. Alors je vais baisser. Ah merde. Oh, mais non. Ah, attends, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que je voulais baisser le son du jeu. Je reviens. Alors attends, je vois qu'il y a des options. Est-ce qu'on a... Il y a que l'anglish. On n'a pas d'autre chose. Très bien. Ah, c'est pas grave, on parle Hop, anglish. on parle anglish nous. Ouais, on est un Oh attends, il y international a un stream. streamer mode. Oh! Mais Qu'est-ce? c'est quoi le stream? Ah non, ça doit être pour cacher, je pense. Ah, pour Ouais, cacher ça, certaines c'est que choses. ça cache le code début de la partie, mais c'est pas très grave. De toute façon, là, sur l'écran, on le voit pas encore. Donc, Parfait. ce soir, Ouais. à quoi qu'on joue? Mince, Ce soir, je on me... joue à Escape Simulator. On va faire des escape games. C'était pas à toi que je posais la question, mais Ouais, mais je réponds à la question et on va se casser, on va se taper dessus parce qu'on adore on adore se taper dessus sur ce genre de jeu. on va coopérer. Alors, je te propose qu'on fasse le tutoriel d'abord. Ah mais alors attends, parce que putain, il faut que je rechange aussi sur cet écran-là, parce que mon machin, il est pas... Eh. Non, Aïe, aïe, maintenant j'ai aïe, le aïe, réflexe, aïe. hein, je regarde, je vérifie. Ça y est, maintenant Aïe, on aïe, entend à aïe, nouveau le aïe, jeu aïe, et on t'entend toi à nouveau aussi. aïe. Aïe, 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 aïe. Ok, dac. Alors, donc effectivement, c'est un petit jeu d'escape game où on a des. Alors, ah oui, ça, attends, c'est pas Ah, con ça. Ça, c'est de la merde. Attends. c'est en ZQ, Controls. en... D'accord. On peut tirer des objets, trop bien. Ah! Ok. Okay. Ah oui, d'accord. Un inventaire. Ok. Orchida qui se réabonne pour son Orchidéa! dixième mois, le dixième mois. Mais alors en plus, attends, est-ce que t'as pas un nouveau... C'est le quoi ça? C'est le badge. Oh, le badge 10 mois, on l'avait jamais vu encore! Oh là 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 là, mais c'est Ah non, c'est incroyable! le badge 9 mois, pardon. Mais Non, c'est le badge 9 mois, on je l'avait l'avais jamais pas vu vu non non plus! plus. Salut Orki, comment tu vas? Incroyable! Alors, select an item, machin, ok, donc ça va là. Ça va là. Et le carré dans le carré. Okay. Ok. Oh là là. Pour ça, je vais initier tous les badges. Bah oui, c'est ça, mais alors à condition que tu ailles jusqu'au bout. Oh. Alors je sais pas où t'en es sur le... Moi j'en suis Comment? la petite boîte. Je Pareil. suis plus loin que toi. Non, on est pareil. Ah. Rotate the key. Ah mince, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Rotate the key. Rotate the box to find the place. Ah non, mince, j'ai pas utilisé la boîte. Mince, Ah, attends, t'as pas il fait faut que encore la j'appuie petite sur... boîte. Si, si, la boîte, mais C'est pas la bonne je boîte. l'avais... Ah merde. Oh oui! Ok, et comment je... Ah, je... Ok, très bien, comme ça. 274. Ah, chouette, alors j'ai... Oh, j'ai des feux d'artifice! Pouah!
Formidable. Jamais je désobe. Et bah écoute, ça fait plaisir à entendre ça. Bah, même oh moi, ça va très là. Bien. Ça va très bien. J'ai pas eu le temps de beaucoup de streamer en ce moment entre le boulot et les JDR, mais ça fait toujours plus. Oh, dis donc, hein, bonjour. Oh, ouais. Merde, pourquoi est-ce que. Attends, ah merde, attends, parce qu'il y a un truc. Non, parce que j'éteins la j'avais lumière. Pas vu. Zoom. Hop, je vais changer le zoom. Drop, on va le mettre là plutôt. Pin machin, ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait là-dedans là? J'ai des crayons. J'ai merde, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus avancer? Ah le con. Trouver la okay. clé. Faut qu'on trouve la clé. Tiens, regarde, regarde-moi. Tu me balances des trucs à la tronche. Tiens. Elle est dans la voiture, la clé. Oh, il a la clé. Sauf que pour ouvrir la voiture, il faut une petite molette là, tu sais, une petite. Ah oui. Trouvons la petite molette. Est-ce qu'elle serait pas sous les coussins? Elle est là, regarde. C'est en vrai, c'est trop stylé. C'est trop stylé en fait. C'est assez stylé. Oh. Alors, tac, tac, je mets la petite molette. Ah, t'as trouvé la molette, t'as trouvé la petite molette. J'ai la clé. Vas-y. J'ouvre la porte. Yeah. Putain, bravo. Putain, qu'est-ce qu'on est intelligent. On est c'est trop fort. Wow. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Première vraie chambre. C'est au t'as vu cette danse, elle était sexy cette danse. Hein. Elle était belle. Hein. On la fera en vrai. Mais pourquoi à chaque qu'est fois c'est... Attends, mais il est sérieux. Attends, mais à chaque fois il me remodifie mes contrôles. À chaque fois. Ah là là, mais t'as qu'à rester en... Bah oui, oui, partie. Mais tu vois, c'est de la bite. Oh, j'ai un bouton ici, mais on peut pas l'utiliser. Ici, j'ai... Ah, il y a des morceaux de puzzle, on dirait. J'ai un bout de maison. Et j'ai là, trouvé plein de trucs. J'ai tout pris dans la mallette. Okay. Un, deux, trois. Il y a un 3, ok. Il y a un truc où il faudra mettre 3. Égyptologie, oh là là, il y a un bouquin avec des trucs à l'intérieur là. Ça c'est quoi ça? Ah, et 3 et c'est le troisième parce qu'il y en a 5. Ah non, maintenant il y en a 4. Oh, on a un timer, j'avais pas vu. Ah, mais ah, je suis merde. Stressé, ça y est. Ah putain. Y'a quoi dans la mallette? Dans la mallette j'ai trouvé des jumelles. D'accord. Je crois que ça sert à rien. J'ai trouvé un bouquin Égyptologie 101. Oui, j'ai Égyptologie 102. Ouais, ok. Et là j'ai trouvé une oh là, petite mais j'ai l'alphabet brosse. Égyptien. Une petite brosse, j'ai trouvé une loupe aussi. Mais je sais pas à quoi ça sert. J'ai l'alphabet égyptien. Et une petite truelle. Oh, qu'est-ce que c'est ici? Y'a un trou. Oh, bien joué. C'est quoi ça? C'est une flasque. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Y'a quelque chose dans la flasque ici, j'ai trouvé quelque chose dans la flasque. Oh, regarde. J'appuie sur un bouton, y'a ça qui est sorti. Pourquoi j'arrive pas à la... Ah, c'est un indice! Ah, mais non, mais ça c'est le bouton d'indice, mais j'ai pas envie de savoir. Indice de regarder ce truc là. J'arrive pas à la. Y'a quelque chose dans la flasque, mais j'arrive pas à la prendre. La flasque? Alors? Mais. Je trouve un token. Collectibles! Pourquoi je peux pas prendre la. En fait, c'est trop chiant parce que la flasque. Regarde, attends. Fais espace sur la flasque qu'elle a, tu vas voir qu'il y a un truc attends. À l'intérieur. Enfin, je sais pas si c'est important, mais. Là, j'ai un truc, c'est. GRH, ça veut dire darkness, c'est ce qu'il y a écrit sur la petite statue. Je pense qu'il faut la mettre dans le darkness. Regarde! C'est beau, okay. Hein? Malin. Okay, okay. Du coup, il y a un nouveau truc dessus. C'est des vagues. Et les vagues, ça veut dire. Les vagues, ça veut dire water. Tiens, mets-la dans l'eau. De quoi? Ça là, ouais. Dans l'eau. C'est de l'eau, l'eau ça non? Bah l'eau, c'est ça du sable ça non? Ah non c'est de l'eau. C'est de l'eau je crois. C'est de l'eau effectivement t'as raison. Allez! Ça nous a donné... Ah une partie de pyramidion. Il se trouve que j'en ai une deuxième pyramidion. Okay. On en a deux. On a ce truc là qui sert à je ne sais quoi. On a ce grand tri. Moi je suis resté coincé sur ma flasque mais... D'accord. Je vais regarder ta flasque. Je te promets. Non mais ça, je pense que ça sert à rien. Tu vas voir à l'intérieur il y a un truc bizarre. Ah mais attends, oui mais faut la mettre dans l'eau. Ah t'es pas bête comme toi. Ouais, elle va se remplir. Comme ça tu peux regarder. Bam, tu peux le récupérer, c'est un token.
C'est un collectibles. Collectibles. Et là, on a un écrou. Bah ça c'est le, oui c'est le truc du. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Oh. Je peux pas. Regarde, okay. On peut faire bouger les plantes. Ouais ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Je suis pas sûr. Il y a peut-être quelque chose dedans, non? Mais j'ai fait bouger, il y a rien. Ok. Ça c'est quoi ça? L'appel, on peut pas. Ah non merde, ça c'est un indice. Ouais d'accord, bah, merci. Quoi ça, trash can? Ah on peut jeter des trucs. Et là il y a du sable à l'enlever. Okay. Non ah, on a juste une seule page, ok. Ça veut dire quoi l'œil? J'ai des choses sur les chiffres moi. Les chiffres? Sur Égyptologie 101, c'est des choses sur les chiffres. Ouais. Mais okay. Je vois pas de choses qui représentent des chiffres. Là, c'est ah ça si bouge. Je sais. Putain. Ici là. Ah oui ça. Ah mais t'avais ça toi. Putain j'y ai pas pensé mais je suis une... Eh oui voilà. Alors qu'est-ce alors dans Égyptologie 101. Donc ça c'est des chiffres tu vois. Donc vas-y. Par exemple l'espèce de petit merde. Le premier, dis-moi dans l'ordre. Bah en fait le truc c'est que je peux pas regarder en même temps bah le bouquin bonhomme, et tout ça. J'ai bonhomme ouais, avec... Ça veut dire 1000. D'accord, ça... alors attends. J'ai bonhomme, ensuite j'ai 3 barres en haut et un zigouigoui en bas. Enfin, zigouigoui en bas, la spirale c'est 100. Et la barre c'est 1. Et alors en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Even your symbol are stacked together to form numbers. Les valeurs sont ajoutées, donc c'est à dire qu'en gros, si t'as 3 bâtons et un zigouigoui, ça fait 103. Alors attends. Ah oui, 3 bâtons et un zigouigoui, ça fait 103. Ouais. D'accord, donc au début on a 1000. Attends. When using more than one, count each other and multiply it with its value. And to sum them all up. Tu veux me le passer? Tiens, vas-y, regarde. Vas-y, je regarde. En fait, ce qui est bizarre, alors, c'est qu'ils te disent quand tu les mets à côté, tu les multiplies, puis après, il te fait pas un exemple de multiplication, ouais. Il te fait un exemple d'autre chose. Mais bon. Tu peux pas ouvrir? Ah, si, c'est bon. Alors, blablabla. Ça, c'est 102. Ça, c'est. Alors, attends. Tac, tac. 1, 2, 3. Ah, oui, d'accord, non, j'ai compris. Non, attends. Using each symbol multiply it with its value. J'ai trouvé un token. And then sum them all up. Multiply it with its value. Mais tu vois, ça veut rien dire. Parce enfin, que là on a... Ça, sans vouloir dire quelque chose mais... 102. Puis 2. Oh je peux regarder aussi. Ah bah super. On peut regarder en même temps. Alors... Si en effet là on a... attends. 1, 10, 100. 1000, 10 000, 100 000, blablabla. Parce que là, tu vois, si on essaie de comprendre ce truc-là, là, non, ça fait 100 et 3, donc 103, 1000, et ça, c'est 102. Donc, bon, en fait, c'est juste une addition, en fait. Là, ça fait 1205 parce que ça fait 103, 1000, 102, 1205. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, hein. On a dit. Il y a de multiplication de nulle part, en fait. Donc là, alors tu vas me. Tiens, attends, je te le rends. Tiens. Prends le bouquin. On va compter. Oups. Alors, j'ai un bonhomme d'abord. Ça fait 1000. De toute façon, il y a combien de symboles? Il y en a oui, pas beaucoup. D'accord. Il y a le 1000. L'arche, c'est 10. L'arche, c'est 10. Donc ça fait 1000. 1000 plus 103 plus 110. Ok. Tu comptes? Tu fais, ouais, tu fais l'addition. Ensuite, ça plus 103 à nouveau, plus à nouveau 110. Plus 2000. Donc on va être sur du 3000. 110 et 2000 à la fin, oui. Alors on est à la fin, le dernier chiffre c'est 6. Après on a. Avant c'est 2. Dizaines. Dans les centaines on a 4. Et le premier c'est 3. 3, 4, 2, 6. Ça marche ou pas? Ça marche pas, hein. Bah, il faut peut-être. Attends, il nous en manque là dans ce que t'as dit. Ah non, pardon, attends.
Non, je crois pas. Et moi, ce que j'ai un souci, c'est qu'il y a un coup l'arche elle est en haut et un coup l'arche elle est en bas. Ouais, ça c'est un peu bizarre. Je suis d'accord. On est d'accord, non? Mais le truc, c'est que tu vois. C'est quand même marqué multiply it with its value and then sum them all up. Je pige rien. Parce que. Oui. Alors attends. Là on a 2 fois 100 et avant on a peut-être 100... Attends, on a mis 9 à la fin. Oh putain, je suis une bite. Merci. T'as mis 9 à la fin. Oh ah là tu... là. Putain, heureusement, en plus elle a donné des bits pour le lire. la clé elle est là. La quoi? Oui, la clé, voilà, la clé. Oh, du flic. Oh, regarde, un pyramidion encore. On peut péter plein de choses avec ça. On peut péter d'autres trucs ou pas? On va tout péter là. Bon, il y avait quoi dedans? Du fric. D'accord. Et oh, ça, un autre bout de pyramidion. Ouais. Mais tu peux pas les combiner d'ailleurs? Si, on va les poser. Vas-y, combine-moi alors, tout ça. Alors, ça c'est pas le premier. Je pense que en bas, voilà, on a ça. Oh. Après, on a ça. Vite sans rêver dans le jeu. Ça. C'est ça. On a ça, boum, bam. Oh, c'est beau ça. Oh putain. Oui, oui, oui. Attends, mais on est où? Reste que 5 minutes. Attends, si on a une énigme derrière chaque porte, on va jamais s'en sortir. Au secours. Alors, c'est quoi ça? Alors, c'est pas par rapport à l'autre. C'est des symboles que j'ai moi, j'ai ça dans mon bouquin. Ok, vas-y. Alors, par exemple, le lion. Est-ce que j'ai le lion? Le lion, c'est L, c'est une lettre. C'est des lettres. Qu'est-ce qu'on fait avec ces lettres? Ah, c'est. D'accord, faut mais faire le un, chemin et ça va labyrinthe, passer par des lettres. C'est. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est tout con. Tu fais faut un. Pas juste mettre le symbole de par où tu veux passer? Si, c'est ça, je pense si que c'est si tu mets devant, ça, moi je peux rien voir. Ouais, pardon. À la fin, ça va finir par main. Avant, il y aura un carré. Donc main, avant il y a un carré. Ouais, si on bouge tous les deux en même temps, ça le fait pas. Pardon. Tac tac tac. Avant le carré, on a la tente. Ouais. Le lion. Le lion en premier. Ouais. Et normalement c'est bon. Allez. Formidable. Énigme numéro 2. Encore. Oui. Oh là là. La même chose. Et plus. Par où on rentre? Par où on rentre? Je crois que en fait. Par où on rentre? Y'a qu'une seule entrée? Non, y'a plein d'entrées. Est-ce qu'on veut ah non, pas juste sortir en fait? Ouais, on part du centre et on veut sortir. On part du centre, on essaie de sortir, ok. Alors. Bah, j'ai une sortie par l'abeille. Moi j'ai une sortie. Ah bah j'ai la même, ouais. Mais y'a trois symboles. Ouais, donc y'a sans doute trois sorties. Ouais, j'imagine. Le scarabée il peut pas, c'est pas le scarabée. L'œil non plus. Ouais, et le sphinx non plus. L'œil en fait. Et le. Attends. Et le chat il peut ou pas? Bah. Non, en fait personne ne peut à part l'abeille. À part l'abeille, bah on met que l'abeille alors. On met que l'abeille. Abeille. Ouais, essayer, je sais abeille. Pas. Y'a pas d'abeille. Même pas dessus. Yes, en alors... fait les symboles sont pas dessus. Alors attends. Est-ce que j'ai une abeille moi? Oui, j'ai abeille, c'est BJT. Et le B, ah. C'est un pied. Le J, c'est un serpent. Et c'est le ça, le T, c'est un demi-cercle noir. Non, c'est un vrai pied. Comme ça. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Ça va nickel. Waouh! Yeah. Il est trop bien, en vrai, ce jeu. Putain, on est trop fort. Ah par contre on a trouvé que la moitié des tokens. Ah non. Il y avait plus de collectibles. Plus de collectibles. Collectibles. Je pense qu'ils étaient cachés derrière les énigmes de la fin, on n'a pas regardé. Sans doute, ouais. Sans doute. C'est pas très grave. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'ai une gros barre. Une tête de faucon là. Ouais, c'était sur la jarre là, mais... Ah, j'ai un parchemin. Avec une clé dedans. Ok, ici il y a une il y a une machin truc là, qu'on appelle ça, un compas, enfin pas un compas mais une boussole. J'ai perdu mes mots en français. Ah, il y a plein de
de parchemin avec plein de choses dedans. Oh, ça te dit pas quelque chose ça? Ah, je trouve un token. Regarde. Quoi? Regarde là. Quoi? Ah non. Non. Secours. Pas ce jeu. Il y a des pierres blanches avec des... Ah, attends, là, c'est oula, extrêmement oula, oula. Fort à ce jeu. Ah. Ah oui, d'accord, c'est des pierres avec des poids, ok, très bien. Ah, puis là, il y a un truc à lui mettre dans la main. Oui, il y a des poids à mettre, mais alors je sais pas quoi faire avec. Ça, c'est quoi? Oh, j'ai descendu un truc. Il y a d'autres poids ici. Il s'est rien là. Passé. Il y a pas un trou de clé parce que j'ai une clé. Un trou de. Bah là, il y a un coffre là. Ça. Ah, mais oui, voilà, voilà. Commençons par le commencement. La thune! Pourquoi est-ce que. Dégage! Voilà, on a une tête de babouin là. Pété là! Bonjour, pardon, merci. Un calice. Un calice. Ah, il y a d'autres poids d'ailleurs. Oh, il y a. Je prends la thune. Un token! J'ai trouvé un autre token, j'ai trouvé deux. Putain, mais le mec il est. Le trouveur de token quoi. J'adore les tokens. Alors, ça là, il y a des symboles dessus. J'imagine qu'il faut les regarde, placer au bon justement, endroit. Justement, vraiment en bas, c'est vraiment comme le. Comme Witness. Enfin, The Witness. En bas là, genre, c'est vraiment ça? Il faut déplacer le scarabée, tu vois, dans le. Oh, au secours. Alors attends, du coup ça on peut peut-être le faire non par rapport à ça non? Est-ce que ça serait... Non, je sais ouais, pas. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, alors je sais on a pas des... trop comment. Il y a des pots là qu'on peut placer aussi à différents endroits. Une tête de singe. Ok, alors il y a un... T'as vu le parchemin, tu l'as vu? Enfin les, ah. Les parchemins même. Merde. Oui, j'ai vu les parchemins, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Je sais pas ce que ça veut dire. Le sarcophage, on peut rien en faire. Non. Alors les poids là. Ou le calice. Calice. Si on fait ces poids. Bah il faut les mettre dans les trucs et puis faire des choses. Faut que ça soit la même chose, non, des deux côtés. Ah regarde, attends parce que là il y a des trucs avec des symboles dessus. Non, les boules avec les symboles. Donc j'imagine que les symboles doivent vouloir dire... Ah, on a un poids doivent, mais un, doivent, alors j'ai plus de traduction. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tiens, un petit token là. Ce que regarde, je me dis... Oh, attends, il y a une note là, t'as vu la note? Il y a une note, où ça? I have stumbled upon these mummification jars. Ah, as I understand they represent... sur l'indice. Your... Ah bon? Non? Ouais, si, si, c'est l'indice. Ah, je sais que la balle rouge. Mais de non, parce l'eau, que l'indice il tombe sous le, il tombe là-dessous. Là, la note, elle était coincée entre la statuette ah, et les trucs là. Ok, pardon. Tu vois, ça parle d'organes si tu veux regarder. D'accord. J'ai pas tout lu, mais. La flotte, c'est deux, sinon. Ah, bah oui, voilà, c'est ça, si. Exactement. Bah voilà, c'est ça, il faut qu'on trouve ça. Voilà, bien joué. Voilà, je donc, cherchais. Donc la flotte, c'est bon. Vas-y. On va tester maintenant le hibou. Le hibou. Le hibou. Le hibou, je mets 5, c'est plus que 5. C'est 6 le hibou. Ok, attends. Le hibou, c'est 6. Cette fois-ci, je me trompe pas. Je mets pas 9. Et le serpent. Alors le serpent. Alors, ah. Les poumons étaient gardés par Happy, le babouin. Ok. Ok, et là, il va falloir qu'on trouve la symbolique des organes et mettre. Les têtes des différents. C'est toi qui as les têtes. Ouais, les têtes, tu vois, il va falloir les mettre sur. Ah, faut être malin pour le serpent là. Tu vas y arriver. Alors, serpent plus eau égale 6. Donc, serpent égale 4. Et après, on appuie là. Allez, bing! Bien joué. Une tête de chien. Alors j'ai les trois têtes. J'ai trois têtes. Ouais, il nous en faut 4. Mais alors, le babouin, faut le mettre sur les poumons. D'accord. Le babouin, c'est lequel déjà? C'est celui-là. Sur les poumons, c'est là. D'accord. Tu m'as dit que tu avais aussi. Donc, j'ai le chien. Le et jackal. J'ai... Le jackal, c'est sur l'estomac. Ok. Donc, ça va être ça, ce que t'appelles le chien. Ouais, et après, j'ai un faucon. Le faucon, c'est sur les intestins. Et okay. Il nous reste plus que l'humain à mettre sur le foie. Sur le. Je perds mes mots en français, mais c'est pas grave. Sur le dernier, sur celui qui reste. Le foie, c'est ça en fait. C'est moi qui me plante. Du coup, c'est avec l'histoire du scarabée là qu'il faut qu'on fasse. Donc là, c'est avec ouais. Ça. Casser les couilles, ça. Attends, c'est peut-être que les parchemins vont nous aider là-dessus, non? Ça, c'est de la merde. Ils ont la même forme, les deux là. Ça, c'est pas. De la bite aussi.
Ouais, ça aide pas. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut faire... S'il faut faire des formes avec le scarabée, mais partout où on passe, ça fait un... Ouais, ça suit en fait. Ah, ou alors, attends. Pourquoi je peux plus le bouger là? Ok, j'ai compris. Non, c'est bon, j'ai compris. Laisse-moi jouer. Ah, c'est toi qui... Alors, attends, voilà, on va remettre au début. Doum, doum, doum. Ah oui, quand tu repasses, ça efface. Gagné. Bien vu. Ah bah, j'ai trop joué à ce jeu. J'ai une petite jarre. Est-ce que tu peux pas la mettre là sur le... Le cœur, c'est pour l'autre, là, pour Anubis, donc... Enfin, je crois que c'était ça, non? Non, c'était... Non, je sais plus, on s'en fout. Alors j'ai pu le mettre là, il lui faut une plume aussi, dans l'autre main. Là, il marque. Là, j'ai un dessin de plume au niveau des poumons. C'est dans le truc des poumons qu'il y a les plumes. Les poumons, c'était où? C'était là. Non, y'a rien dedans. Y'a pas de plume? Alors, par contre, attends, parce qu'on a. Ah, je sais. Les jarres, il faut qu'on les mette aux bons endroits parce que par rapport à la. C'est pour ça qu'on a une boussole. Ah oui, d'accord. Et comment on doit avoir une. Bah, justement, il faut qu'on trouve cette indication-là. Est-ce que dans les parchemins, y'a pas un truc là-dessus? Merde. Regardez là. Ah, mais attends, il y a d'autres parchemins là. J'en ai d'autres là, si tu veux. Tiens, hop. Ah, mais d'accord, t'as pris plein de parchemins en fait. Anubis. Bon, ça aide pas beaucoup, hein. Non. Mais à mon avis. Alors, peut-être qu'on n'a pas encore ce qu'il faut pour avoir l'emplacement des. Il y a des trucs à appuyer là. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie dessus? Bah, je pense que c'est un code, mais il faut... Il faut le mettre... Ah oui, enfoncer ou pas enfoncer, d'accord. C'est ça, ouais. Il faut juste qu'on trouve le bon code. Alors les deux fleurs, c'est ce qu'il y a dans le sarcophage. Les deux feuilles, pardon. Qu'elle là. C'est peut-être lié. Elle est où la tête du... Il en manque une tête. Enfin, ou alors tu l'as enlevé. C'est toi qui l'as, je pense. Non, je l'ai pas, j'ai rien. J'ai qu'une crowbar. Ah mais non, c'est vrai, non, je suis con, on l'a jamais eu cette tête là. Oui, c'est ça, il nous la manque. Je suis bête. Alors je suis sûr que c'est dans les plantes. Non, c'est pas dans les plantes. Non, c'est pas dans les plantes. Je crois qu'on a tout exploré. Hein. Y a juste ces caisses là, moi, qui me... Oh, il va attends. Nous manquer, voilà, un code. J'ai eu un truc là. Ah non, ça doit être ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la note? Ah oui, c'est le... C'était par rapport au... Ouais. Il faut normalement, on devrait pouvoir trouver des indications par rapport un petit indice au non, par ça rapport va, aux, aux directions aux points cardinaux quoi. Bah ouais. Mais là je vois pas ce qui nous donne d'indication sur pas... le. Ouais non j'étais aussi curieux par rapport aux boîtes mais je crois qu'il y a rien sur les boîtes. À moins qu'on puisse les ouvrir avec quelque chose genre la pelle. Mais Ah oui, la crowbar. J'ai une crowbar, mais... Ah oui oh bah. Regarde. Mais le mec, il prend du matos, il le garde pour lui, et après, il dit rien à personne. Oh là là, j'ai plein de symboles. Mais c'est que des symboles. Mais il y a la deuxième. Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est? D'accord, j'ai un vase. Voilà. Ok, fais voir le vase. Ok, il est là. Il est là. D'accord, c'est un vase. C'est un vase, hein. J'étais pas sûr que ce soit un vase. C'est ce que je voulais faire. Oh, regarde, regarde. T'as ouvert avec le... Ouais, y'a un lion, là. Ok. Là, y'a un scarabée. Incroyable, vas-y, pète tout avec la crowbar. Machin. Lion. Ah, là, c'est bon. GG. Hop là. Alors on est bien dessus, mais dans quelle position? Donc là maintenant c'est une question... Petit token là-haut là. Find the secret token. Donc il faut qu'on trouve... Attends, parce qu'il y a une dernière boîte mais on peut pas l'ouvrir je pense parce qu'il y a l'autre qui est dessus. Ouais on peut pas ouvrir.
J'essaie de voir si je peux ouvrir d'autres trucs, mais non. J'ai l'impression qu'il n'y a, rien d'autre. J'ai envie de te dire, on tente au pif, hein. Mais non, mais il y a les symboles là. Ça veut forcément dire quelque chose. Bah, je pense, oui. Pour moi, c'est... Enfin, si on a, c'est pas trop. Mais ils sont trop dans le désordre, là. Attends, parce que... Regarde, le truc, c'est que... À mon avis, il y a forcément... Attends, il y a une note, là. C'est quoi, ça? Ah non, c'est la fameuse note... T'as fait... Je vais laisser là. Il y a Anubis, chien avec l'humain... On n'a pas une direction, ouais. Parce que sur les parchemins, il y a des symboles aussi. Je sais pas si tu vois sur certains. Oui, bah oui, c'est ce que je me dis. C'est que le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas de... On n'a pas de lien avec les directions cardinales, en fait, avec les points cardinaux. Donc c'est ça qui est un petit peu étonnant. On a œil, zigouigoui. Parce que là, je vois pas comment relier, en fait, les points cardinaux. Attends. Putain, mais je suis trop con, c'était dans la note. Les poumons doivent être au nord, l'estomac doit être à l'est, le foie doit être au sud, les intestins à l'ouest. Attends, couche-toi. Ça, c'est qui ça, l'estomac, il va où, dis-moi? L'estomac, il va, j'ai dit, à l'est. À l'est. L'estomac, il va à l'est, donc il est du bon côté. Les intestins. Au sud. Au sud, donc ils vont là-bas. Non, l'ouest, pardon. Ah, à l'ouest, ils étaient bons là. Je dis n'importe quoi. Ok, donc c'est juste les deux autres qu'il fallait inverser. Celui-là, il va là. Voilà, c'est bon. Oups. Ça. Boum. Allez. Pouf. Putain, pouf, vas-y, pouf. J'avais depuis le départ, mais j'avais pas lu quoi. Putain, tu sais pas lire l'anglais j'ai en fait. J'ai pas lu quoi. Bah, tu l'as lu aussi la note, hein, t'as rien dit. Hein. Non, j'ai pas lu, je l'ai ouverte. Bah, moi aussi, je l'ai juste ouverte. C'est vrai. Oh, Orchida d'ailleurs, j'ai un truc rigolo, regarde. J'étais à la fête foraine l'autre jour et je suis tombé là-dessus. Et je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est rigolo parce que c'est un truc à Among Us et il se retourne pour faire un méchant. Et voilà, je trouve ça rigolo. Alors il y a une radio ici. Fin du goodies, tout le monde s'en branle. Ah, j'ai un. Je peux le bouger. Tu fais un boucan. J'ai trouvé un petit token. Complètement par hasard. Ah, j'ai ouvert un truc. Ah, j'ai trouvé une clé. J'ai une clé. J'ai trouvé des haricots. J'ai une pioche aussi. Y a un coffre ici, si t'as trouvé une clé. Ah, y'a un coffre. Ah oui, là. Ah, y'a un autre coffre ici aussi. C'est quoi ça? Pin. Hop là, Kales. Trouvé un... Charles, là. Un truc en or. Un gobelet en or. Génial. Mais y'a plein de... De pyramides là. Les pyramides. C'est un truc qui va rendre fou Squeezie ça. Ah oui. Ah oui, mais t'as vu qu'il y avait. Il y a des là dans la pyramide. Il y a des nombres. Non, j'ai pas vu, mais il y a des. Ça fait des pyramide. Nombres. Ok, bah alors. Bah tiens, c'est quoi là? Y a combien de petits bouts dans la ah bah petite ouais, pyramide? La grande, il y en a 3. La moyenne, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la petite, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez! T'as quoi, t'as un crabe? Golden artifact. Il ah, faut le mettre quelque part. J'ai un golden part, artifact, ça. Mais c'était un. Moi, c'était une coupe en or. Attends, je le pose là en attendant, on va voir s'il faut le mettre quelque part. Mais il va falloir sûrement le mettre quelque part. Tiens, je vais mettre le mien à côté. Ah, on a des dessins. Ok, il en faut. Il en manque 3. Il y a la tête de bélier, le Kales. Il y a un hibou, un chien et un truc de prêtre. C'est toi qui a pété des trucs là? Non, j'ai pas pété, c'est toi qui a pété. Mais c'est toi qui pète. Pardon. Y'a rien dans les vases. L'exode pinged. T'as pingé? Arrête de pinged. Comment tu pinged? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on appuie sur ces trucs en même temps là, les deux leviers? Mais arrête tes conneries là. Pinged. Ah, ou alors attends, si on met l'artefact dessus. Non. Ça marche pas. Hey, je suis revenu. Comment ça t'es revenu? Ah, mais je t'entendais plus depuis tout à l'heure. Ah ouais, d'accord.
Qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, alors... parce que sur. T'as plus ta caméra sur Discord. Ah, si, c'est bon. Si, c'est bon. Non, non, il fallait que je revienne sur Discord sinon c'est ça. Ok, je peux faire ça. Ouais, comment tu fais? J'appuie sur Alt. Oh. Quand je fais la tab, ça fait ça aussi. Alors, je disais, est-ce que on appuierait pas sur les deux leviers en même temps? Ouais, allez, 1, 2, 3. Non, ça fait rien. Ça fait rien, hein? Ça fait rien. C'est une merde comme toujours, comme toutes tes idées. Mais ça, il bouge, il s'appelle Moving Chest. Moving Chest. Ouais, ah, attends, parce qu'il y a des symboles un peu partout dessus là. Hein. Ça, ouais. C'est. Bah oui, bien sûr, regarde derrière là, il y a des trucs là. Ah, bah et voilà. Et à mon avis, c'est ça là. En fait, tu vois, les symboles, ils sont toujours par deux. Ouais, ils sont par deux là, j'ai ils sont par deux. Alors, par contre, faut voir dans quel ordre ils se font, mais on peut-être qu'on s'en bat les couilles. Hein. La tente va avec le hibou. Ok. Ensuite, c'est le bol et le lion. Le bol et le lion. C'est où le bol et le lion? Je n'ai pas de lion. Si, il est là. J'ai un lion. Ah, de toute façon, t'es un peu obligé parce que. Ouais, parce que t'as pas le choix. En fait. Ouais, et le dernier, c'est le pied et le hibou. Et le hibou. Nice. Ok. Petite clé là. J'ai une clé. Ah, bah, tu peux la mettre dans le moving chest, non? Le moving chest, il est pas ouvert. Le moving chest, il a pas de. Ah, si, il a. Si, si, là, il a un petit coup. Oh un autre artefact. Ouais, et après on a plein de... C'est quoi ça? Des trucs qu'on peut assembler. C'est des gemmes. Des gemmes. Moi j'aime les gemmes. J'aime les gemmes. J'aime les gemmes. Ah mais non, mais faut compter. Il y en a combien là? Des triangles blancs. Ah bah blancs. Oui, t'as bien vu. Alors des bleus, il y en a deux. Des blancs, il y en a 5. Ah, les bleus, il y en a deux, ok. Les blancs, et il y en a... Et les rouges, il y en a 3. Ok, ça, il y en a 3. Allez, bing! Formidable! Un autre golden artifact. Oh là là, mais on a tellement d'artefacts! Il nous en manque un, il y a un artefact qu'on n'a pas. Ouais. Et ben. Ça doit être ces histoires de levier là, mais je vois pas trop. Ou alors il faut qu'on. Attends, peut-être il faut qu'on mette les. J'ai une pioche, mais je peux piocher dans rien. Attends. Non, ça sert à rien ça. Cette statue là elle sert à rien, ça doit être la porte de sortie. Qu'est-ce qu'on a pas fait? Il y a des vases et tout là. Y'a rien là-dedans? Mets dans le bol. Parce que je vois pas en fait. Ouais. Parce qu'en fait les leviers on peut les mettre à différents niveaux, il y a 4 niveaux comme tu vois. Ouais, effectivement. Avec quel ça, niveau faudrait le mettre? Oh, ah mais regarde, c'est derrière. C'est les deux Anubis là. Celui de gauche bien il va vu. En bas, et celui de droite il va au niveau 2. Voilà, allez tiens. Ah mais là c'est pour mettre les artefacts à l'intérieur, mais on a toujours pas le dernier si. Non on a pas le dernier. Y a un petit, là il y a un petit token. On va déjà mettre ceux-là. Ah merde. Et après c'est la radio je pense. Bah la radio, ouais, je l'ai déjà ouverte en fait. Ah mais attends, mais non. Pousse-toi. Ah, il morse. Oh non, pitié, pas du morse. Bah si, c'est du morse. J'ai mis sur du morse. Que je suis un peu deck, j'ai ouvert le truc, il y avait rien à l'intérieur. Oh. Ah mais c'est bien beau le morse, mais après on en fait quoi du morse? Ah, j'ai retrouvé un token qui était au milieu de la radio. Ah bon? Ouais. J'ai trouvé le token qui était caché dans la radio mais pas celui qui était au milieu. moi qui ai encore des trucs sur le moving chest, mais Non, y'a plus rien sur le moving chest, mais y'a un truc avec le bip bip là. Bah, je veux bien, mais On a plus de. On a plus d'énigmes. Y'a plus rien là, je sais pas où. Ah, mais le mec, attends, tout de suite l'indice là. Oh, un pot à casser. Ça là. Faut le casser, attends, ça là. Comment tu casses les. Tiens, comme ça. Oh! Ah, c'est bon. Putain. Et là.
Oh! Attends, je mets la radio dedans. Ça va marcher. Yeah! Putain, en fait, fallait se laver Link, quoi. Fallait juste tout péter. Fallait tout péter, c'est bon. Moi, tu sais, je suis là, je suis dans un temple égyptien, je veux éviter de casser les trucs, tu vois, comme un bon archéologue, quoi. Et en fait, non, il faut juste péter tout. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a un carnet de notes en bas. Story of Unlucky Camel. Camel drinks in the oasis. Oh là là. Là, là, là. Donc le chameau, il boit dans l'oasis, au zénith du soleil, quand le scorpion se cache sous la pyramide. Ensuite, ça c'est à gauche, j'ai écrit. J'ai un symbole gauche, haut et droite. Ensuite, en haut, j'ai le chameau, il dort à côté de la pyramide quand le soleil se couche et le scorpion va vers l'oasis. Ok, bon, en gros, il va falloir trouver un endroit où il y a tout ça là. Oh, il y a un scarabée là! Merde, il s'est barré. Reviens! Ah, il y avait un scarabée. Il y a un scarabée qui. Là, là! Ah, j'ai trouvé un token sur le dos du scarabée. Énorme! Énorme! Qu'est-ce que ça fait ça? Ça allume des trucs. Ah, c'est un ordre! C'est un ordre! Regarde! C'est un Simon Say. C'est humain, chien, oiseau, chien. Ah non, c'est chien et humain, il y en a plusieurs en même temps. Humain. Chien, oiseau, humain. Oiseau. Tu peux répéter avec ça là. Oiseau, chien. Humain, chien. Ah. Je suis deg. Puis. Chien. Ah oui, d'accord. Puis oiseau humain. Oiseau. Allez, bing! J'ai une boule! Une boule. Il y en a une autre là, une boule. Ouais. Deux boules. La boule, tu dois pouvoir les mettre là-dedans là. C'est là-dedans qu'on met les boules? Bah, je sais pas. Non, pas dans le feu là. Là. Ah, pardon. Faut juste avoir une l'équivalence quoi, non? Parce que là, il y a des. Ouais, j'imagine. On va trouver les autres et on va voir. Ah oui, les autres elles sont sur le côté, ok. Et ça, on peut tourner des trucs. Attends, ça, il y en avait une autre. Ah, mais ça, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Attends, ça, moi je vais faire ça. Attends, parce que. Il y avait un truc, c'est toi qui l'as pris. Ah non, il est là, la petite toupie là. Hop. Alors, ça dit quoi? Attends, ça marche pas ça. Ah oui, attends, non, merde, en fait, c'est pas ce que c'est. Tac. Alors, attends, ça. Ça dit yep. Truc bizarre, machin. Donc là, il me manque, en fait. Qu'est-ce qu'il me manque? C'est ça, non? Ça doit être. Non, c'est pas du tout ça. Ok, super. Je comprends rien à cette énigme de merde. Tu t'en sors là? Attends, ouais, je vais y arriver. Ok, donc ça c'était pour la gauche. Parce que tu ensuite... as des... Bon, en haut. Ah mais attends, je suis bête, oui d'accord, c'est parce qu'en fait ça là, c'est le... Zénith. Lui, il va le là. Sommet, non? Hop. À gauche. Je dis non mais je dis ça mais en fait... Merde, je suis obligé de recommencer. Est-ce qu'on a autre chose aussi? Non, il y a que c'est le seul qui correspond. Donc là, par exemple, sur la gauche, c'est celui-là. Ah non, celui-là aussi, il pointe vers le haut. C'est de la bite. C'est de la bite. De toute façon, plus celui-là, il pointe même pas vers. Ça n'a aucun sens ce que je fais. Zénith, tout à droite. Lui, il est là. Bing, ça c'est le 2. Ok. Et là, c'est quand le soleil se couche. T'avances plus que moi, je crois, sur ce truc-là. Parce que celui-là, je t'avoue que. Je suis du merde. Père. Merde, ah putain.
On a le yep. Ok, c'est bon. Ouais, yep. J'ai une balle. Ma balle rouge. Ok, super. Ah, il faut que ça s'équilibre, d'accord, je comprends, comme tu dis. Ouais, elles sont à peu près toutes équilibrées sauf la dernière. Alors, où est-ce que t'en es, toi ? Eh ben, je comprends rien à cette énigme. D'accord. Sans plus d'infos, je t'avoue que... Ah oui, il y a un truc en haut, là. En haut, ah oui, je veux dire les 4 symboles, là. Ouais, enfin, tout en haut, là. Les enfin, ensembles de symboles. Mais au-dessus, là. Au-dessus. Là, ah, t'as les 4 symboles rouges, et après, t'as un dessin au-dessus d'explicatif. Oui, oui, bien sûr. Ok, c'est ça. Bah du coup faut juste que ça corresponde, non ça marche pas. Bah mais que ça corresponde quoi à quoi. Enfin je veux dire dans chaque losange là, enfin chaque carré t'as 3 symboles. Oui mais t'as pas les mêmes symboles carré à chaque fois. Par exemple bah, ce carré là oui. où t'as plume, courbe gaussienne et carré, il est où? Courbe gaussienne. Plume, courbe gaussienne et carré. Là je l'ai. Et du coup c'est ça et ça veut dire que ici il faut mettre la corde. C'est le seul qui reste, parce qu'à chaque fois il y a 4 symboles. Celui où il y a la tente, le pied et le carré. C'est où? Ah mais tu le regardes par rapport à quel... La tente, le pied et le carré. Ah oui d'accord, oui, ok, je crois que je vois ce que tu veux dire. Ça okay. Le pied aussi. Ok ok, ça y est je comprends. Putain. Heureusement que je suis là hein. Ah bah... Alors ça c'est lion, tente. Par contre si tu veux bien te dépêcher un petit peu. Ah bah pardon. Ça c'est bon. Et l'autre c'est spirale, pied et gaussienne. Donc c'est le hibou qui manque. Donc il manque le hibou. Ça marche pas. Bah, ça doit être ici la... Le caliment. Bah, attends parce que t'as mis plume deux fois, c'était ça? Ah non non bah non. Attends pardon. Mais là, le... Attends, je me suis... J'ai tout mélangé. Oh. Là, j'ai une... Là, j'ai une plume avec le lion. Donc celle-ci, elle est bonne. Et c'est celle-là dont... C'est ici, là, qu'il faut mettre le hibou. Pardon, j'ai mélangé. Et ici, je sais plus ce que c'était. Ah là, un pied. C'est bon. Oh là là. Allez, bing. Allez, donne-nous la suite. Ah, oh, putain, sa grand-mère. Attends, on va mettre là. Ça on va mettre là. Ah. Ah oui d'accord, faut que ce soit pile en face. Donc ça c'est un peu bas. Donc ça c'est un peu haut. Si je le mets comme ça. Ah celle-ci est bonne. Okay. Donc échange la bleue et la rouge. Incroyable. Allez. Putain on est fort hein. Un miroir. Un miroir? Ah bah attends, milieu, il vient vers la lumière là. Hop. Oh, ok, donc là on va jouer avec. Oh merde. Ouais, ça tourne. Qu'est-ce que... Je jette des trucs. Alors j'imagine qu'il faut faire rentrer les scarabées. Comme ceci. Ils rentrent là? Ils rentrent pas tous. Là c'est bon là. On peut en faire rentrer que deux à chaque fois. C'est celui en bas là, il rentre pas. Tu vois. Bah attends, il est pas devant son... Ah oui, il est pas exactement devant, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est grave ou pas? En fait, ça va être ça tout le temps, vu que c'est des... Ah non, c'est comme ça, voilà. Là, ça rentre pile. Donc ça commence forcément comme ça. Après, il faut que tout corresponde, quoi. Ouais. Non. Non, en fait, non. C'est pas mal, mais là, moi, j'ai une erreur. Je sais pas si c'est une erreur, mais... Non, là t'es pas bon. Là non plus. Là c'est bon. Eh ben oui. C'est ça. Ok, donc il y avait bien un bout comme ça. C'était énorme. C'était ouais un piège. Waouh, on va sortir. Wow. Incroyable. On a trouvé que un token sur celui-là, par contre, j'ai l'impression. Enfin, j'ai vu un. C'est vrai qu'on avait beaucoup de tokens. Manque de tokens. Oh, on est sur le sommet de la pyramide. Incroyable. Wow. Incredibile. 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 Ok. Ouais, je vois, je vois. Ah, on peut tourner ça, regarde.
Une statue de pyramide. J'ai enfin atteint le haut. Pas besoin de dire que la vue est incroyable. Mes émotions sont toutes mélangées. Il y a une partie de moi qui est heureuse que je sois ici, et l'autre partie qui dit que je dois retourner en arrière. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'aller vite. Et après, il y a un dessin avec un... Genre un Anubis avec un sceptre, et il a un truc au-dessus de la tête avec un carré, et il y a marqué « Found it » en rouge ici. Donc ça doit être là-bas, au-dessus de lui. J'ai trouvé plein de statuettes. Oh merde. Ah. Attention. Tiens, pas debout la statuette. Ah, on va pouvoir les bouger, non? D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Oh, petit token ici. Bah alors. Attends. Ah ouais, c'est ça. Regarde. Hop. On peut bouger ça. Qu'est-ce que à droite, tu fais là, gauche, du coup et ah oui, t'appuies sur le truc et ça change. Ok. Attends, c'est moi ou c'est un token? Ah oui, en fait, les tokens, tu peux les attraper de super loin, en fait. Y'a des tokens géants, en fait, que tu peux voir dans le décor. Au fond. Ah, trop marrant. Ah oui, le timing, il est là-bas, regarde. Le timer, oui, il est en énorme. J'ai vu que le timing, il était en énorme, en gros. Ah, c'est énorme. Moi, je cherche les tokens, hein. Les collectibles, ah ouais, avant tout. Jaune. Faut que je les allume tous? Je sais pas trop ce que je suis censé faire là, je les allume tous au hasard. Ouais. Que c'est pas ça. Il y en a un qui est pété. Parce qu'on a des statues d'obélisques aussi là. Oui. Il y a. Mais... Oh, il y a une petite flasque. Qu'est-ce que ça fait? Il y a rien dans la flasque? Non. Il y a un chapeau! T'avais vu le chapeau? Bah oui, c'est moi qui l'ai mis dans les flammes. Ah bah d'accord. Ah mais attends, mais... Quoi eh? Bah regarde, il y a une constellation qui est dessinée en dessous là. Ah putain, je suis hyper con. Comment on les remet à zéro? Faut retourner dessus? Bah il faut retourner dessus. Là. Alors comment on l'a fait cette constellation? Regardons un peu. Voyons voir. Qu'est-ce on en que... est deux. Alors... Ah mais regarde parce qu'en fait celui qui nous... Non j'ai rien ce qu'il nous faut il est cassé, si c'est ça. Bah en fait il est, en pas bas te... il est pas tellement... Ah si si ouais c'est ça ouais. Celui ouais enfin qui il nous... est pas cassé mais il est par terre ouais. Okay. Mais est-ce qu'on peut quand même l'allumer? Ouais je pense que oui, essaye. T'es allé un peu trop bas je pense. Hop voilà. Ouais ouais ça marche. Ok donc ensuite... Là celui-là. Ouais à gauche. Ouais, attends, hop. Et en haut après. Alors ça va être lequel? Ça va être celui-là. Celui-là là, à droite, ouais. Là voilà celui-là. Nice. Allez! Oh, allume le dernier truc là. Le dernier brasier là. Il y a un brasier qui est pas allumé. Ok. Token! Ça a servi juste allez à ça. C'était juste pour ça. Donc on a fait... ça a fait quoi là à part se ranger dans le sol? Ça nous a donné un truc? Bah... Ah il y a un petit token là. Je suis content de se trouver des tokens mais ça sert pas à grand chose. D'accord. Là on a des trucs à bouger. Il y a deux symboles à avoir. Il y a un truc avec plein de... Avec plein de... Ouais, t'as vu quoi. Qu'est-ce que ça a fait ici, là? Ça s'est enfoncé? Mais à part s'enfoncer, à quoi ça a servi? Une petite statuette. En vrai, on a pas regardé, sérieusement? Aucun de nous deux a regardé l'animation? Qu'est-ce que t'as fait au hasard?
Non, non, bah non, il y avait des symboles sur, sur l'objet qui était dans la boîte, donc j'ai juste tourné l'objet jusqu'à ce que je vois les symboles, et puis je les ai, j'ai fait correspondre. Ah, c'est malin, putain, il a un gros cerveau. là, il faut mettre des objets, on en a pas, on peut rien faire. Oh, alors là, on peut bouger des trucs. Ah. Oui, ok, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Là, j'ai une tente qui est allumée. Et après, il y a ce truc-là. T'as vu là aussi, ouais. Je sais pas si ça peut jouer. Ah oui, on a les deux symboles. Les deux statues là. Bah attends, c'est pas ce qu'on voit dehors, un truc comme ça? Non, parce que je vois pas de sphinx. Peut-être avec ça, hein. Là, j'ai pied, tente. Peut-être mettre la tente. Attends, ça c'est doit être pour les statuettes, non là? Ici. Ah oui, alors, j'en ai une. Ah oui, c'est ça. Je sais pas où faut la mettre. Ok. Bonne question. Ça c'est une bonne question. J'en ai une. Attends, ça s'est allumé là? Il y a deux trucs qui se sont allumés. Une tente qui s'est allumée. Ouais. Quand j'ai bougé, quand on a mis la statuette, si je l'enlève, elle s'enlève la tente? Non, elle s'enlève pas. Je sais pas quand ça s'est allumé. Ça s'est allumé quand on a mis la statuette dessus. Ouais. Pourquoi ça serait éteindrait pas quand on l'enlève du coup? Bah je ne sais pas, bonne question. Ou alors quand j'ai tourné ça, j'ai tourné des trucs. J'ai mis tant de tentes et du coup en bas on met lion. Il y a un lion. Et là le lion. Ah voilà, c'est ça. Putain, bien joué. Et ça fait quoi? Pas grand chose. J'ai trouvé un truc là. Alors. Ah oui d'accord. Très bien. Ah et puis on a plein de statuettes. Alors, on va les placer. Attends. Je fais ça. 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 Voilà. J'imagine qu'il faut les placer comme eux là-bas. C'est-à-dire. Ah, on peut tourner comme ça, regarde. Ça, ça va là. Et on le tourne comme ça. Lui, il va là. On a trouvé deux autres. J'ai ouvert le. J'ai ouvert celui-là. Je crois qu'il en faut pas deux autres, hein. Bah ça, si. Bah non, il en faut même plus que ça parce que regarde ici là. Oui, il y en a là après. Ah oui, c'est pour la suite. Ça a fait quoi là? Le chapeau. Ah le chapeau, non. Ah oui, on a des obélisques qui sont sortis de tous les côtés en fait. D'accord. Et moi aussi j'ai des obélisques en stock comme ça là. Alors, c'est sans doute pas dans ce ordre là qu'il faut les mettre. Non, mais alors comment trouver l'ordre? Parce que dehors, les obélisques dans le fond, qui dans le sont... Fond, regarde devant toi. Ah oui, bah oui, bien vu, ouais. Ouais. Donc le plus grand ça à droite. Là. Non, pas à droite. Oui, pardon, à droite, oui. Comme ça, là? Ouais. Pouah. Incroyable. Oh non, ah, attends. Il y a des méga constellations. Parce que là, il y a des constellations. S'il faut qu'on les fasse, ça va être insupportable. Non, ah non, ok, il faut juste appuyer dessus. Alors, dans quel ordre? Et on ça, on sait toujours pas à quoi ça sert, ça. On peut les ressortir aussi. Oui, ça, on sait toujours pas. Alors, est-ce que ça doit être lié à quelque chose qu'on voit forcément? Enfin, quelque chose qu'on voit dehors, je veux dire, dans le décor, mais je vois pas de sphinx pas dehors, sûr. En fait. De sphinx, sphinx. Ah oui, non, ça, oui. Ouais, ça, je sais pas. Mais ça, ouais, ça... Ah, y a pas de sphinx, tu vois, là. Bah, y a un sphinx au bout, là-bas, là, au fond. Ah, pardon, au fond. Ça se trouve, c'est ça. Ouais, ça se trouve, c'est juste ça. Et du coup, on aurait... Celui-là, il est là. Sphinx. Pyramide au centre. Comme ça. Celui-là est là. Ah ouais, c'est ça. Et non, et le fond inversé, les deux derniers. Le sphinx, il est. Tiens, hop. Voilà. C'est ça. Ok, donc on a plein de constellations. Yes. Plus de constellations. Ah, voilà. Et là, dans le ciel. Ah, et là, il fait nuit. Là, voilà. Donc là, j'ai un S chelou. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est celui-là. Là. Boum. Trop petit point sur le côté. Ça, celle-ci elle y est. Elle est derrière. Bah mais est-ce qu'il faut les faire? Faut appuyer celles qui sont dedans, non? Ah oui. Pourquoi t'as appuyé celui-là? Il est où? Bah juste au-dessus de... C'est sûr c'est ça? Parce que moi je vois que ça part à droite dans le truc en haut. Ah elle est pas dans le même sens mais...
Ah oui, tu penses qu'elle est dedans? Non, bah non. Je sais pas. Ouais, peut-être. Non, c'est peut-être ça. Hein. Pour moi, elle est pas dans le même sens, mais ça reste la même. Ok, ok. Alors, laquelle il nous manque? Tac, 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 celle-ci là-bas. C'est quoi ça? 3 points en bas là. C'est un truc là, là. Attends, c'est laquelle? Ah oui, t'as raison, elles sont pas dans le même sens. Du coup, ça doit être celle-ci, je crois. GG. Yes! On a même pas eu d'animation de fin. Yes! C'est vraiment. Niquez-vous, quoi. Niquez-vous. Incroyable! Parfait. Alors, en vrai, hyper cool ce jeu. On part sur le suivant? Ouais, ouais. Alors, enfin, je dis suivant, mais on n'est même pas obligé de faire forcément le suivant. On peut partir dans l'espace. Oui! Il y a un manoir aussi, et puis il y a la Omega Corporation, mais elle est pas terminée. Elle est dans l'espace. C'est Ipa. Très très stylé. Tu m'as dit qu'il y avait plein de maps de la communauté. Il y a des maps communes, ouais. Alors, on va faire ce jeu pendant des mois et des mois. Alors, j'ai un bouquin. Et on est en apesanteur. Je sens que ça va être horrible. Jules Verne. Non, on n'est pas en apesanteur. Les objets sont en apesanteur. Oui, non, pas nous, mais... Oh, putain. Ah oui, tu propulses les objets quand tu les lâches. Ah, j'ai des notes, là. Needs to be connected. Fire. D. Subsystem needs power. Flood. E. Subsystem needs power. Loss of gravity. J'ai une clé. F. Subsystem needs power. J'ai une clé à molette. Ok. Donc si tu vois un truc qui a besoin d'une clé à molette... Ah bah, ça doit être ça. Pas, voilà, alors là il faut mettre le. C'était écrit là. Mets le F. Il faut du. Il faut du. De l'électricité sur le F. Ok. Et. Ok. Je sais pas d'où elle vient l'électricité. Parce que le truc c'est que en fait. Ça part je... de B, non? Ça part de B. Je mais bouge pas B. En même temps que je bouge là. Pardon. Comme ouais, ça alors B, F là. Ouais, un truc comme ça. Nice. Voilà, la gravité est revenue. C'est bon. MDR. C'est trop drôle qu'on puisse faire ça. J'ai un vavion là. Là j'ai le bouquin que j'avais tout à l'heure. Ah, il y a une petite forme triangulaire ici. Ah, j'ai un levier là. Peut l'ouvrir. Ça va servir ça plus tard. Plein d'objets random. Il y a des millions de fois le voyage de Terre à la Lune là. Ah, login. Enfin, login. Hello, Captain. T'as des piles? J'ai trouvé un Attends. Jouet, mais il manque des piles. Non, j'ai pas de piles. Mais par contre, j'ai un truc où j'ai plein de symboles devant moi. J'ai des clés avec différents trucs à l'intérieur. J'ai des fusées avec des numéros 2, 4, 7. Et après, j'ai des dieux grecs. Des dieux vikings. Okay. Thor, Odin, Loki, Idin. Et je peux les activer ou les enlever et je peux en prendre que 3 à la fois. 4. Ah, s'il y a une pile là. Je prends 4 à la fois. Mais ça, on peut l'activer aussi, les chiens là. Oui. Ah, j'ai allumé un petit robot qui dit bonjour. Ah, j'ai des objets. J'ai plein d'objets. Tu les as trouvés où ? C'est un levier, j'ai un deuxième levier. Ah oui, mais moi j'en ai un autre aussi. Hein. Ah, t'as activé le levier ? Le robot, pardon ? Oui, mais je crois qu'il sert à rien. Enfin, je sais pas. Il dit juste bonjour. Il dit juste hello, ouais. Ok. Ah, la fusée, c'est Gen 7. Peut-être que c'est ça ? Parce que là, j'ai des trucs avec des numéros. Il y a une fusée 7. Ah, c'est les objets qui sont dedans, non? Je sais pas. Les clés. On a pas une clé? Ah, mais y a un autre objet là. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est un trophée. C'est vraiment là. Ah, faut un truc triangulaire là. Des lunettes. D'accord.
C'était quoi ça? Corde ah, Captain. J'ai trouvé un harmonica. Ah, j'ai un. Et il y a un crayon photo. Ici. J'ai une photo qu'il y avait là-dedans. Je peux pas. Est-ce que je peux te dessiner une moustache? Ah, t'en as déjà une. Ah, mais il y a des trucs là. Emergency door unlock. Red EDM sensor malfunction. Override require. Ok. Mais là, on est en rouge. Non? Ouais. Donc j'avais tout à l'heure un tuto là, il est où mon il carnet est là. Il est là. Du coup il marquait EDM, il faut quoi? To restore, non là c'est to restore power simplement sur ton truc là. Oui mais du coup sur EDM, il y en a pas un. Il y a que gravity, il y a quoi d'autre? Bon, je vais regarder. Ce PC can be used to activate the override in the room control software. You require to press door icon 5 times and the protocol c'est will activate. A, B et C. Ouais, là, c'est bon. Ouais, mais ça nous dit pas comment accéder à. Ça ne nous dit que pas comment accéder. Là, il y a une. En fait, je pense qu'il faut simplement. Là, on a différents objets qu'on peut trouver en fait dans la pièce. Par exemple, tu vois la petite fusée 7, on l'a trouvée. Ouais. Donc, en fait, les autres doivent juste être. Il y a des bouquins. En fait, il a que le même bouquin à chaque fois. Le mec, il a le même bouquin en 3 fois. Oui, en 4 fois, je crois même. 4 fois, ouais, ah oui, 4 fois, effectivement. Ah, il y a Odin. Odin, c'est le chien. Oh, bien vu. Donc on a fusée 7, Odin, et il nous manque une clé. Qui va être soit... Ah non, c'est une clé ou c'est... Il y a un trophée là, c'est pas ça? En forme d'étoile? Ah oui, c'est ça, oui. T'as raison, c'est le trophée, ouais. Trophée étoile, du trophée. Coup, ça serait étoile? Je l'ai, mais... C'est ouais, bon. C'est ça. Dire Stargazer Operator. Oui, il y a une image avec... Oh, ouais, tiens, c'est rock'n'roll. Alors... Ouais, il faut que tu appuies sur le bouton de la porte. J'ai fait, mais il est marqué locked. Non, faut que tu appuies 5 fois. Faut que tu appuies 5 fois dessus. Il m'a mis Emergency Protocol Activated, c'est tout ce qu'il m'a mis. D'accord. Il y a un truc sur les Emergency Protocol? C'est pas ça là? Red. PC can be used to activate the override, the room control. Ah oui, c'est ça. C'est là, il faut faire 5 fois. Oh oh! T'as fermé quelque chose? Ah oui, c'est les volets. D'accord. Très bien. Il y avait un token caché là. Wow. Les... Un token. C'est le plus important. Tu peux nous aider, toi? On va mettre là. The protocol will activate. Très bien, donc maintenant qu'on a activé le protocole. Emergency protocol activated. C'était ça, hein, c'était pour l'activer en fait. Bah, je vais. On va partir du principe que oui, parce que sinon ça veut dire qu'on a fait oui, une connerie, mais. C'est ça. Et puis si attachment A. Ah, left of door. Each room contains a special tool to open it. Ah, oui, d'accord, bah c'est dans les outils. Attends, c'est moi qui dois l'avoir. C'est celui-là. Je suis hyper con en fait, regarde. Putain. Moi j'essayais comme un débile avec mon outil, j'aurais dû. Il faut mettre des piles. Au revoir, petit robot. Je vais prendre tes piles, désolé. Attends, parce que j'ai. Ah non, on a pile poil assez de piles, mais il faut tuer le robot. Eh, j'ai mangé. Je l'ai tué. Putain, au revoir, robot. T'es un monstre. Je l'emmène avec nous. C'est sympa quand même. Ah bon, on a gagné. Ah bon, on a gagné. Ah bon, on a gagné. Trop facile. Trop facile. Oh là là. J'ai déjà téléchargé des maps, du workshop d'ailleurs. Wow. Pour info. Oh, quel bordel! T'as pas rangé ta chambre? Alors on a un drone.
avec des boutons. Mais il lui manque un propulseur, je pense. Bouteille d'oxygène. Une carte. Endommagée. C'est une carte d'accès. Il y a une carte aussi ici. On, off, off. Ouh. Ok, déjà ça c'est bon. Oh, regarde ça. Une autre carte. J'ai des valves ici. J'ai ouvert tout un truc là. Ah, thruster, j'ai un petit schéma avec des carrés. Et là on a des poignées qu'on peut mettre un peu où on veut. Okay. Et là des connector pins. Ah, c'est des fusibles rouges. J'en ai trois. Ah, et regarde, avec ça on peut retirer des... Ah oui, bien joué. Des panneaux. Ah. Donc il va falloir qu'on joue avec tout ça pour... Oh, il y avait un token dans le robot. Oups. Ok, je vais prendre l'autre. Je crois que c'est juste pour les enlever, hein. Une fois qu'elles, oui, sont enlevées, après on s'en fiche un peu, non. Hop. Et du coup on peut juste les... Ah oui, on peut les enlever comme ça, ok. Et on les met où on veut derrière. Ah, t'as cru qu'on les enlevait juste pour le fun. Là il en manquait. Les endroits où il en manque ou pas. Là. Okay. Il en manque de quoi? Des petites... parce qu'en fait j'en ai des trucs pour connecter là. Ah. Juste il va falloir en enlever une pour la mettre ailleurs. Je pense. Parce qu'après on peut re... Hop. Et ça relance le courant et je sais pas ce qu'on a fait. Attends. Le courant il fait comme ça. Et après il remonte ça, c'est bon, c'était ça qu'il fallait faire. Faut mettre du métal. Ouais, j'ai essayé d'en mettre des bouts de métal, les metal pieces. Mais du métal. Attends, non, peut-être non. Ça passe peut-être. Non, ça passe pas. Il y a des trucs là, regarde. Oui, c'est des valves. Et ferme la valve bleue. Bleu. Hop. Ah bon, on y voit plus clair déjà. Faut mettre du metal. Alors du metal, est-ce qu'on va trouver du metal? Pas du métal, ça, ça compte pas comme du métal. Faut du petit métal, hein. Ah bah j'ai du métal là. Bim, voilà. Ah, t'as réussi à en mettre? Bah il y avait un bout par terre là. Bah j'ai, ouais, mais moi j'ai essayé plein de bouts et ils marchaient jamais, les bouts que j'ai essayé. Attends, je t'en mets d'autres, t'inquiète. Alors attends, les instructions, je les ai là. J'ai mis 2 kilos. Ok, et il faut en... C'est quoi le schéma? Ouais. Attends. Ah oui, c'est ça. Non, ça on en veut. On en veut 8. Et on en veut une comme ça. Pardon, une comme ça? Ouais. Ah merde, ah non, ok, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Ok. Donc on en veut 4, 1, 4. Attends, mais non! Mais. Il est con. Ah, mais ça rentre pas. Si, c'est bon, c'était bon. Ah non, pardon. Voilà. Qu'il est con. Il est trop vite. Ok. Waouh. Et avec ça, normalement, on devrait pouvoir réparer le drone. Le robot, il est où? Le robot. Il est là au milieu. Il est là. Ah, attends, je le repose. Je le mets son... Où est-ce que ça rentre, ça? Non, prends le truc dans ton inventaire, ouvre avec espace le robot et là, tu devrais pouvoir mettre, ah oui, le truc. C'est en dessous, il lui manque un réacteur. Bon, ça doit être ça, non? Oui, c'est ça. Ça doit être ça, je pense. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Bon bah il doit lui manquer autre chose alors. Ah, c'est devant, c'était à l'avant. Ok. Je sais qu'on peut lui faire lancer des trucs, mais... Je sais pas trop ce qu'il fait là. Je vais le poser là. Ah oui, d'accord, c'était ça. Il y avait un autre schéma que j'avais là. Alors attends. Hop. Le schéma c'est... Ça va être plus compliqué ça. C'est pas faisable ça. Là j'ai un schéma mais il est pas possible à... C'est pour avoir le bas du robot. Dis-moi ce que t'en penses. Tu vois, là. Ah. Effectivement c'est un petit peu... Ah si, je sais. En fait c'est parce que ça va l'un sur l'autre. Du coup faut faire à la suite.
C'est-à-dire que là, on va faire... donc, dans l'ordre... Ah oui, bien joué, d'accord, ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tac, si je fais ça... Tac, 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 tac. Voilà, ça, c'est le premier truc. Et après, le deuxième, du coup, on va faire... au début, on s'en fout. Après, attends, parce qu'il y, a, non, y avait aussi des pièces qui étaient à moitié. Je sais pas ce que ça fait, les pièces à moitié truc. Oui, je sais ça pas. Fait j'avais juste pas vu. Une case à moitié ou est-ce que ça non, fait autre chose? Non, je pense que ça fait des moitiés comme il y a écrit. Hein. On se ouais. peut pas trop chercher. Oui, sans doute, hein, t'as raison. Ça. Ah, mais là, ça a tout reset. Tac, tac. Ah merde, ça reset tout! Là, ça reset tout alors. Ça reset tout alors. Du coup, si on fait des moitiés, en effet, qu'est-ce que ça fait? Ah, bah moitié, voilà, c'est 1 sur 2. Ah, bah voilà. Voilà. Bah, quoi. Ah, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, en plus, c'est pas du 1 sur 2 tout le temps. Si, je crois. Si, c'est du 1 sur 2 à chaque fois. Et par contre, faut commencer par. Faut commencer par un. Par un bleu? Non, par non, un pointillé. Par un pointillé? Ouais. Okay, donc bon, ça veut dire qu'il faut que tu pointillé commences en un haut pointillé et ensuite tu mets que du... Voilà. Et normalement avec ça on est bon. Boum, bim, bam! Beaucoup plus simple comme ça quoi. Ah bah voilà. Vas-y, je te laisse mettre le... Alors, petit robot, je vais te mettre ton thruster qui te manque. Waouh! Que va-t-il faire? Allume ton laser. Ah, il envoie un laser, regarde. Et sinon, il fait de la lumière, c'est ça? D'accord, et il tourne. Alors, à quoi ça va servir ce laser? Ah, bah voilà, ça. Aïe. On peut mourir ou pas? Tu es invincible. Pardon. Je suis invincible. Et donc là, la carte. Non, il en veut pas. Ah, et on peut le déplacer aussi comme ça. Oh, ah oui, attends, parce que regarde. Elle est cassée, la carte. Les deux cartes, elles marchent pas. J'en ai une autre. Mais attends, ah parce que je vois qu'il y a des trucs qui... Regarde, il y a des trucs qui manquent là. Ah là, une autre porte. Pourquoi elle s'ouvre pas? Quelque chose qui la bloque. Le robot il peut nous aider. Il a intérêt vu qu'on s'est fait chier à le réparer. Ça a l'air de marcher. Parce ah mais carte programming là. Ding. Ah bah non, la carte elle qu'est-ce pas. Qu'il faut faire? Je suis en read ah. only. Ah. Et si je peux en read write? Ah je peux, donc là je peux la reprogrammer. Ok, alors j'ai un... Ok. Donc j'ai 0, 1, 1 dans la première. Et toi dans ta deuxième ça met quoi quand tu mets? Moi j'ai 0, 1, 1 dans la colonne de gauche. Et toi t'as 1, 0. Ah puis on a des chiffres en haut. Alors attends, c'est un petit sudoku. Donc moi j'ai 0, 1, 1 avec 2. Après toi t'as 1, 0. Ça veut dire qu'il y a forcément 1 ici, 2, ici. Et là il y a 2 en bas. Ok. Et quand je mets... Attends, quand je remets la mienne je crois que j'ai un autre chiffre. Voilà, et j'ai 1 et 2. Voilà. Donc du coup c'est suffisant puisqu'on sait que en haut ouais. c'est 0, 1, 0. Ensuite, il y a un 1 ici, il y a forcément un 1 ici et il y a un 0 ici. Ok! C'est et du ça. Coup, j'ai la rouge que je peux reprogrammer. Qui devrait nous donner 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. 0, 1. Voilà, en binaire, ça veut dire. On sait pas. Et donc là, normalement. Alors, par contre, du coup, je comprends pas pourquoi. Pourquoi il y a cette autre porte, ouais? Oui. C'est pour un token. Ah sans doute. C'était un token.
Il y avait un petit balance. De toute façon, t'as vu qu'on en a raté pas mal, hein, mais. On a raté un maximum de caméras. Mais c'est pas grave. On fait l'aventure avant tout. C'est ça. On est là pour le lore. Ah, regarde. Alors. Qu'est-ce que tu. Quoi? Pardon. Ah. J'avais pas vu que t'étais là. J'ai de l'hélium. Ok. J'ai du sulfure. Et là, il y a une table périodique des éléments. On va se marrer. On peut combiner des trucs. J'ai trouvé de l'hydroxyde de. C'était quoi, de sodium? Ouais. Un donut. Coolant and crystal. Oh là là. Oh chouette. Un nouveau jeu comme ça. Je kiffe. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette merde? Oi oi oi. Oi oi oi. Allez d'accord, ok 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 ok. Ok j'ai. Je vois rien ce qui se passe sur... T'inquiète, j'ai. Vas-y. Alors attends, ça, ça va là. Comme ça, ça allume ces deux là. Après. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Deux. Faut trois. Juste refaire la. Ça, c'est bon, non? Un, deux, trois. Après, faut faire le tour. Hein. Comme ça. Ah oui. Puis. Ouais. Un. Ça. Deux. D'accord. Ah oui, tu fais le coulant là. Ok. J'étais ouais, parti le, sur pardon, je fais celui de. De en bas en fait. Ouais, je regardais pas le bon. Et là il faut ça, là il faut ça. Ah, coulant. Ça fait quoi le coulant? Bah ça rafraîchit des trucs. Là tu peux le mettre en bas là. Ah non, on a gagné un coulant. Bah oui. Ah, mets-le ici. Il est là. Mets-le ici. Ah, pardon. Tiens, mets-le. Je vais faire la suite. Ok. Maintenant il nous faut un cristal. Alors cristal. C'est très simple. Pour faire un cristal, vous return. Je vais faire. Ah voilà, cristal. Insufficient level of nitrogen and sodium aluminate. Il faut du nitrogène et du sodium aluminate. Ah, aluminium plus sodium hydroxyde égale sodium aluminé. Ah bah là, regarde. Du zinc. D'accord. Ça, c'est quoi? Une canette. Et ça, c'est un truc de vérification. Il y a un code en bas, si jamais. Metal Recycling, mais ils sont sympas, Metal Recycling, mais comment est-ce qu'on fait? Ah, mais ils sont tous là, les trucs. Ok, faut passer. Je sais pas comment on passe. Oh! Oh! Je vais poser à côté. Qu'est-ce qu'on a? Un antibiotique? C'est des antibiotiques. Attends, moi j'avais quoi aussi? J'ai du sodium. T'avais besoin de quoi? Attends. Il manque un objet là. Il y a un des trois objets. Il est pas tombé dans la poubelle. Me dis pas qu'il est tombé dans la poubelle. Ah non, c'est de l'allume. Ok, ça j'ai pas ça. Me dis pas qu'il est tombé dans la poubelle. Je crois qu'on a perdu un outil dans la poubelle. Cet outil-là, tu veux dire? Ah, c'est ça. Ah, mais c'est ça, voilà. C'est bon, tout va bien. Faut le construire, en fait. J'ai l'impression. Comment ça, faut le construire? Ah non. En fait, j'en ai trois différents, regarde. Ouais. Et on dirait que s'ils s'assemblent. C'est pas des... Tu sais, t'as trouvé ça dans un cabinet médical, hein. C'est pas des outils de Power Rangers, hein. Putain, mais arrête de casser mon délire, là. Casse tout, lui. Ouais, en gros, c'est une espèce de seringue. Ouais, pour faire le cristal, il nous dit qu'il faut quoi? Il nous faut du nitrogène et sodium machin. On va mettre les antibiotiques à côté. Du vial. Et vial encore.
Ah mais ça souffle ça là. On les a ouverts ou pas? Oui j'ai déjà fouillé là dedans. Ah ouais t'avais vu ce token? S-I-O-H. Si, alors attends il est où déjà? S-I 14. Y'a un truc qu'on peut ouvrir là. O 8 H c'est 1 14 8 1. Ah, ça marche pas ça. Ah, attends c'est peut-être pas ça du coup. Ah une canette de coca, j'en avais une tout à l'heure. Je l'ai jetée comme un débile. Non! Dis pas que j'ai fait cette erreur à la con. C'est ça. Ah non, y'a rien dans la... D'accord, donc elle est ailleurs. Ah oui, non, d'accord, c'est bon, tout est là-dedans. Y'a un token dans le fond, je le vois. J'ai l'impression. Oh, l'aluminium. Ah non, c'est de l'alu. J'avais de l'hydroxyde de sodium hein, d'ailleurs, c'est quelque part là. Si t'en as... On en a ? Oui, il est là. Donc si t'as aluminium plus hydroxy et machin, tu peux faire ton aluminate de sodium là. Ok. Si tu trouves, mais... si t'as de l'aluminium. L'aluminium c'est ça en fait, c'est ce que j'ai dans la main. Ouais, bah tu peux pas le mettre là avec machin. Non. Alors, combine-le, tu peux pas le combiner. Ah, peut-être à côté là. Ça là. Non ça c'est pour créer, tu vas combiner, et il est ici là. Tu regardes, ah, ce qu'on veut aussi faire. Je suis bête, voilà. Boum, donc là il y a de l'alu. Et combine, vas-y. Ok, ça s'est créé, du coup c'est là. Pour faire du cristal, il nous faut ça, du nitrogène. Nitrogène. C'est quoi le nitrogène? C'est du nitro et du gène. D'accord. Carbone plus oxygène, carbone monoxyde, oui bah d'accord. Sodium aluminé plus hydrogène. Par contre ça va me faire vriller ce truc là. Faut mettre de l'hydrogène. Ouais on a pas dit. C'est l'hydrogène en fait qu'il faut. On en a pas. Oh token. FF1, you can make self-replicating artificial organism using the following SIOH. I've made three molecules. And they have a special symmetry to them. It is beautiful. I have to treat them. Now, recently, you need to observe. Il faut ouvrir. To be observant to find the differences. There are three of them. Each atom. Okay. Il faut ouvrir la porte. En fait, il est derrière le nitrogène. C'est des valises de nitrogène. Ok. Et le problème étant que c'est fermé, qu'on peut pas l'ouvrir. Mais il y a ce truc là en bas là. Je suis sûr que c'est lié. Ce truc là en bas. Là là. Électricité là. Et pété là. Ah bah il faut un outil pour l'ouvrir. Je suis sûr qu'il y a moyen. On peut positionner le scanner. Ah mais ça je pense que c'est quand il faudra. Scanning. Il faut insérer le cristal. Insert cristal. On en a pas encore. Oui c'était pour tout à l'heure. Moi je suis sur le code là en fait, y a un truc, y a un truc. Le code c'est pas carbone monoxyde là? Hein? Là là, carbone plus oxygène égale carbone monoxyde. Quel rapport si avec, fais... avec le keypad? Je sais pas, c'est la table des éléments, le carbone et l'oxygène c'est combien? Mais non, non, le carbone mais c'est 6 et l'oxygène c'est 8, je sais pas. Non, non, en fait, regarde, on a trois chiffres, un rouge, un blanc et un bleu. Sur cette tablette, le SI, c'est rouge, oxygène blanc, hydrogène bleu. Et il dit, j'ai fait trois molécules et elles ont une symétrie particulière, c'est magnifique, je dois les imprimer en 3D, donc je les ai posées sur la table. Okay. Elles sont très similaires, tu dois être observateur pour trouver les différences, il y en a trois, une pour chaque atome.
Il y en a 3, une pour chaque atome, comment ça? Bah je sais pas trop. Mais j'imagine que ça veut dire il y a des différences. Ok. Ah oui, parce que ok, je vois là par exemple. Échelle symétrie. Ouais, d'accord. Je vois pas trop parce que j'ai essayé d'utiliser les numéros périodiques pour faire le code, mais ça marche pas. Et ouais, le SI en plus, il y a 2 chiffres, non? Bah ouais, mais je les ai additionnés, tu vois. Ah ouais, ok. Mais même en faisant ça, ça marche pas. Mais du coup, je pense que c'est... Ouais, parce que... Ou alors, ce que j'ai pas essayé, c'est de faire le... On a pas d'ordre, en fait, avec ça, tu vois. Allons voir les différences. Mais non, je pense pas que ce soit ça. Ça doit être... Là, il y a un SI en moins sur celle-ci, là. Ouais. Sur celle de gauche, il y a aussi un oxygène en... Ah, c'est un... Quoi, c'est un... Le blanc, ils ont dit c'était quoi? C'était l'oxygène en moins, ouais. Et le bleu, c'est quoi? Hydrogène. Ok. C'est sûr, c'est pas l'inverse? Non. Ok. Parce que ça correspond pas, hein. Il y a 2 liaisons sur l'oxygène et il y en a qu'une sur l'hydrogène. Bah écoute, c'est... Ils ont révolutionné la physique. Pas moi qui ai fait ce jeu de merde, hein. Et du coup, c'est le moment de l'indice. Hop. Il dit, l'indice c'est un schéma et il est marqué molécule. Tu prends la molécule, voilà. Yes. Voilà, donc j'ai pris la molécule. Ça va bien nous aider ça. Et on peut pas, peut-être en le regardant de plus près, genre y a pas des trucs qu'on peut enlever ou je ne sais quoi sur la molécule? Ouais, j'ai cliqué un peu. Quand tu cliques dessus, tu peux les mettre en pin. Regarde. Ah, c'est quand tu fais, j'ai l'impression d'avoir des antennes. C'est drôle. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est chelou. Tinité mise clou. Ouais, d'accord, mais Timmer, l'indice de merde, quoi. Vas-y, redonne un indice, là. Ça, c'est de la merde. Oui, mais d'accord, il nous dit de prendre les 3, mais Timmer, on sait où ils sont. Et on en fait quoi, après? On les recycle? On les met dans la flotte? On peut faire couler de l'eau, t'as vu? Ouais. J'ai vu. Parce qu'en fait là, qu'est-ce que ça nous dit à part que là effectivement bon il y a un oxygène qui se transforme en hydrogène. Sur celle-là il y a un SI qui manque. Et encore, on n'a pas d'ordre, hein, on sait pas. Hein. On a qu'une minute trente. On va attendre lundi suivant. Non, on est baisé là. Ouais, on est baisé là, on manque d'une info. Vas-y, c'est quoi là, l'indice là? Mais oui, mais merci, il nous dit de prendre la table. Qu'est-ce qu'il est cool. On s'en fout ça, putain, on l'a, merci. Mais on n'a pas d'ordre. They are very similar, so unique to be observant. Find the differences. There are 3 of them, one for each atom. D'accord. Il y a 3 différences, une par atome. Ok, merci. Attends, non, j'ai fait de la merde. Ça nous aide pas du tout, hein. Non mais on est baisé, hein. Je comprends pas du tout cette énigme là. J'ai rien. Ah, du savon. Là. Parce que j'ai essayé de mettre, tu vois, sur chaque molécule, enfin sur par rapport à chaque chiffre, le nombre d'atomes
qui a majoritairement, tu vois, parce qu'à chaque fois, en fait, il y en a une qui a un atome de moins que les autres dans une des catégories, tu vois. Ce qui nous ferait 3-4-2, mais du coup, ça passe pas. Oh, c'est terrible. Et là, je pige un. Ah bah, c'est... Attends. Ah bah, le timer est à zéro, mais on est... Je crois que c'est juste que... Je sais pas. Mais en tout cas, je te propose qu'on vienne en... Oh, mais regarde-moi cette merde. C'est quoi? C'est le pire indice. C'est une caricature de... ça aide zéro. Ils nous redisent exactement la même chose. Ça aide zéro. Trouver les différences. Regarde, en fait, il faut que tu trouves les différences. Mais on les a trouvées les différences, mais ça ne veut rien dire. Comment ça, vous avez trouvé les différences? Oui, d'accord, là, il y a un oxygène. Parce que... Ok, on a trouvé les différences, mais ensuite... On s'en fout, quoi. Qu'est-ce que ça fait, quoi? Sulfure en moins, qu'est-ce que... Du coup, ça fait... Ah, 2 rouges, 3 bleus, et c'est ce que t'as fait tout à l'heure, j'imagine. 2 rouges, 3 bleus, et... Pourquoi 2 rouges? Parce que... Après, oui, ça peut être celle où il y en a le moins, parce que j'ai fait celle où il y en a le... Non, mais c'est parce qu'en fait, il y en a 2 où les rouges, c'est pareil, il y en a un où il en manque une, et du coup, il y en a plus que 2. Et il y en a un, pareil pour les bleus, souvent, il y en a 2, sauf un où il y en a 3. Ouais. Et les blancs, il y en a 4 à chaque fois, sauf un où il y en a 3. Tu ferais 2, 3, 3. Ouais. Ça marche. C'est exactement l'inverse de ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait l'autre qui me paraissait plus logique, tu vois, mais bon, ah, ok, d'accord. On a gagné une Game Boy, un chalumeau. En fait, ah oui, non, d'accord, putain. Quand il y a le temps à 0, ça fait quoi? On est perdu ou quoi? Non, je crois que c'est juste qu'on... Ouais, enfin, on continue, ouais, mais c'est juste que voilà, quoi. Ça validera pas, quoi. C'est ça. Ok. Alors, continuons. Alors, j'ai un unlock, il faut des chiffres. J'ai des joysticks. Il y avait quoi dans le truc, là? Ah, et derrière, j'ai... Pardon. J'ai one. Alors, j'ai O, donc oxygène. NE10, tu vois. Bah, tu es dessus aussi. Donc, tu vois. Donc, ça fait 8, 10, 90. Ah, oh, oui, d'accord. 8, 10, 1, ça fait 1, d'accord. 90, 75. 90. 90. 90. 88. 90. TH. Vas-y, je vais te les dire dans l'ordre. D'accord. Et tu regardes sur le tableau de périodique les numéros que je te dis. Ah oui. Ok. Donc là, le 90, attends. C'est TH. Après, j'ai 75. Attends, mais il est où le 90? Il est tout en bas, dans les lignes d'en bas. T'as jamais lu un tableau périodique? Ah ouais, si, ouais. 75. Ça fait longtemps que je suis plus à l'école, hein. 75, ok. Strict, bah 3. Donc 3, ok. 1, donc 3. On a 1, 3, et après on a 99 et 119. Et 119. 99 et 119? Ouais. ESLX, ESSX. Ouais, SX, ça fait 6 SX. Du coup. 6. Ouais, c'est 1, 3, 6. Ok, d'accord. Ah, okay, on peut se connecter là. Au petit robot qui est mort, donc ça marche pas. Aux caméras. Oh, j'ai une caméra. Je te vois là. La caméra à l'intérieur. J'en ai une autre où je nous vois. Ah, je peux les bouger. C'est celle-là. Regarde. Ouais, je vois. Ok, et du coup, cette cam 1, il y a peut-être un truc à faire. Qu'est-ce que je fais avec ça? On peut pas faire grand chose là, à part se regarder. Ça bon. Et le robot, t'as rien avec le robot?
Là, là, il y a un... Tu vois, il y a un passage par en bas. Ouais. Je suis sûr que c'est ça. Il y a un passage là. Mais le robot, il est dans la poubelle, là. Vas-y, je le ressors. Tiens. Ah, je me disais aussi qu'il était... Mais forcément, c'est pour ça aussi que le robot, il pouvait pas marcher. Espèce d'idiot. Non, je le ressors. Oh mon dieu. Moi, j'ai jamais y arriver, le mec, il met des trucs dans la poubelle. Ah là. Oui. Attends, il nous faut un passage. On peut pas avancer, là. Il faut ouvrir, parce que c'est forcément par là qu'il faut passer. Ouais. Faut trouver un moyen d'ouvrir ce truc. C'est pas avec ça. Avec ça là. Non ? Ah bah oui, ouais, tu peux. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bien joué. Forcément. Allez, bing. Après, petit robot. Tu le poses bien comme il faut. Et dedans là ? Ouais. Ah, il y a un token. Tu peux pas le prendre. Et tu vas pouvoir le prendre après, en te baissant. Ouais. Jamais on aurait eu le temps de faire ça. Mais non, mais le truc des molécules là, ça nous a foutu dans le dans la merde là, parce que alors, c'était. Maintenant que je suis à l'intérieur, où est-ce que je vais ? Impossible à comprendre. Faut que j'aille au bout là. Connection lost. T'as tout cassé. Il y a juste marqué connection lost. Ah mais attends. Il est où le chalumeau ? Ah voilà. Nitrogène ! Enfin ! Ça pour faire arriver. Ce putain de cristal de mort. Non, faut que j'aille manger là, hein, c'est. Pardon. Alors, on va commencer par ça là. Ça va là. Boum. Ensuite. Non, ça va pas là en fait. Qu'est-ce que. Attends, boum. On recommence. J'essaie de faire la forme à gauche d'abord. Si c'était peut-être ça. Hein. Non, c'était pas ça. Si je fais un truc comme ça, un truc. Non, on peut pas en mettre deux au même endroit. Non, t'es obligé de partir avec celui-là en fait. Ouais, c'est ça, voilà. T'as raison. Après, faut faire un tour complet. Un truc comme ça et comme ça. Non, bah non, on peut pas. On peut en mettre qu'un à la fois. Ouais. Et du coup, à l'intérieur, celui qui est en bas là. Il faut un truc à gauche, tout seul, il n'y a pas. Attends, on va recommencer. Commençons par en haut à droite. Moi, j'aurais commencé par ça. Oui, voilà, sinon on fait ça. Mais non, parce que le truc c'est que des. Ouais. Ouais. Pardon. Attends. Le dernier était pas bon. Qu'on puisse faire un tour complet là. Comme ça. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est en trop non ? Même. Non, c'était pas en trop. Attends. Attends, qu'est-ce que je dis ? Tac. Si c'était en trop, t'as raison. Et il faut juste un truc qui descend. Et ben voilà ! Putain! Allez, pitié que ce soit la fin. Cette putain de porte là! Ah, c'est la fin. Waouh, épisode finish. Eh ben écoutez, je vous revois, on se retrouve pour la suite. Quelle galère c'était. On peut rester. On peut rester, ouais. Salut. Ah, trop bien. Oh. Et on se casse.
Oh. C'était très sympa. On fera très vite la suite parce que c'était très 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 très, très, très cool. C'était très chouette. Même si on a galéré sur cette énigme de merde, il nous en reste pas mal à faire. Il y a des community rooms dans tous les sens. On va bien se marrer. On va s'éclater, on a du contenu. C'est ça, là ça y est, tu vois, j'ai déniché le jeu qui va nous permettre de faire des streams pendant 3 semaines. C'est parfait. Ok, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve. Tu reviens quand toi? Parce que moi je vais pas streamer avant un moment là. Oh là 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 là. Tu me fous la pression, la semaine prochaine. Très bien, et ben vous retrouverez notre ami l'Exote la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde, des bisous. Ciao. Au revoir.